Oh, celui-ci, je ne l'ai pas lu. Jacqueline Galland se serait fait voler son iPhone au carnaval de Berlin. J'espère que ce n'est pas l'œuvre d'un activiste russe. Je n'ai pas envie de voir sa p*** sur Twitter. Oula. Bon. Erwan Nicolai, peut-on dire que Jacqueline est à côté de la plaque ? Je pense pas. Et si on peut parler de plaque, j'ai une plaque personnalisée. Comme ça, on a encore une critique supplémentaire. Si tous les gens qui ont une vie difficile actuellement devaient écrire un livre, vous avez été du côté de l'oppresseur, le gouvernement ne venait pas jouer la victime maintenant. Alors, je ne suis pas une victime, je n'ai jamais été dans la victimisation, je ne suis pas Calimero. Et je pense que, sincèrement, Stéphane, on devrait se rencontrer. Pascal Etienne, les éditions Luc Pire n'auront jamais aussi bien porté leur nom. Plus sérieusement, j'hésite entre acheter ce livre ou celui de Nabila. Alors, les points communs entre Nabila, je pense que la couleur des cheveux est la même et on a une poitrine volumineuse. À part ça, je pense qu'on n'a pas trop de points communs. Non mais, allô quoi. Caroline Sio. Alors Jacqueline, on a dur de vieillir ? Non, je suis vraiment bien dans ma peau. En plus, j'ai un petit 4,5 et j'ai un jeune homme, donc... Enfin, un jeune homme. Mon homme est jeune. Elle a toujours été chiante, et ce, depuis sa naissance. Gaston de Sion se connaît, parce que j'ai pas l'impression qu'on se connaît. Jean-Luc Sauvenière, mais quelle crognasse. Elle est d'une incompétence monumentale et rejette les fautes sur les autres. Elle est forte, celle-là. Va sur le terrain, tu t'en rendras compte, mais ça, c'est au-dessus de tes compétences. T'es trop snob pour le faire. Pfff. Ouf, débarrassé de toi, vaya con Dios et ne reviens jamais en politique. Alors Jean-Luc, à mon avis, t'es pas au courant, mais j'ai jamais arrêté la politique depuis plus de 20 ans. Ça, c'est une chose. Et s'il y a bien quelqu'un qui est toujours sur le terrain, c'est moi. Alors, à mon avis, tu devrais un peu suivre mon profil Facebook, tu verrais toutes mes visites. Enfin, moi, j'adore les gens, donc je suis toujours sur le terrain. Sur les réseaux sociaux, j'étais juste une bonne grosse de dont il fallait se débarrasser au plus vite. Eh bien, tu l'es toujours, ma chérie. C'est magnifique comme tweet. Magnifique. Chérie, je voudrais te rencontrer. Elle devrait plutôt balayer devant sa porte, mais elle a peut-être dit cela en étant encore bourrée. Alors, c'est vrai que j'adore faire la fête. Je suis pas souvent bourrée, mais c'est vrai que quand l'occasion se présente. Et c'est vrai que quand on est bourré, ben, je pense que c'est général. Hein. On dit beaucoup de conneries.